On va parler des ateliers d'écriture en prison. Hein, vous saviez le thème de la conférence? Donc, en quelques mots, je vais vous présenter un peu qui je suis, pourquoi, comment. Et puis ensuite, on va dialoguer avec vous. Vous me poserez des questions sur la littérature, bien sûr, mais sur les ateliers d'écriture. À quoi ça sert? Pourquoi? Donc, en deux mots, je me représente un peu. Sinon, vous allez vous demander pourquoi je vais travailler dans les prisons. Donc, je vais travailler depuis 20 ans. Dans trois prisons, les Baumettes à Marseille, la prison de Luynes avec des mineurs qui sont plus jeunes que vous, ils ont entre 15 et 18 ans, des choses graves, très graves, souvent des crimes. Et puis j'ai travaillé aussi à la prison de Salon de Provence, qui est un centre de détention. Je travaille depuis 20 ans dans ces trois prisons. Alors j'expliquais pourquoi, je reprends un peu, je suis allé travailler dans ces prisons. J'avais fait moi-même 6 mois de prison militaire pour désertion. Je suis arrivé en retard à l'armée, avec 2 mois de retard. J'ai été condamné à 6 mois de prison. Et c'est dans cette prison, moi qui avais été un très mauvais élève, que j'ai découvert la littérature. Un prêtre m'a amené un livre, j'étais en train de raconter ça. Ce livre s'appelait Colline, l'auteur Jean Giono. Et moi qui n'avais rien lu dans les rues de Marseille, et qui avait taillé l'école, comme on dit, qui avait été un très mauvais élève, je m'étais arrêté en troisième. Et là, avec ce livre, le deuxième jour dans ma cellule, en lisant, j'ai fait entrer toute la Provence dans ma cellule. Tout ce que Giono racontait, l'odeur des rivières, le bruit des fontaines. Il y a une phrase chez Giono qui dit « Le vent sentait la tuile chaude et le nid d'hirondelle ». Le vent sentait la tuile chaude et le nid d'hirondelle. Et moi qui étais dans cette cellule, dans ce fort, dans l'est de la France, à Metz, eh bien, toutes les odeurs de Provence, les bruits, les couleurs, la chaleur, est entrée dans ma cellule. Et j'ai compris le pouvoir de la littérature. J'ai compris le pouvoir de la littérature dans une prison où il n'y a rien, où très vite on devient comme un mur et un barreau. Et bien là, avec les mots, le monde entier rentrait dans ma cellule. Et pendant ces 6 mois, alors que nous n'avions qu'une heure de promenade par jour, les autres se battaient dans les cellules, insultaient les gardiens, essayaient de casser leurs portes. Moi, dès le matin, j'étais l'un des seuls à ouvrir un livre et à faire ce long voyage immobile qu'est la lecture. Donc, quand le livre se passait, par exemple, sur la banquise, je n'étais pas dans cette prison, j'étais sur la banquise avec les ours. Quand le livre se passait en Afrique, j'étais en Afrique avec les animaux, avec la savane. Quand le livre était une histoire d'amour, de passion, j'étais moi-même passionné, je voyais l'héroïne. J'ai lu par exemple Le Grand Molne dans cette prison. Je n'avais aucune connaissance de la littérature, mais j'ai découvert Giono, Le Grand Molne, etc. Et j'étais amoureux comme Le Grand Molne d'Yvonne de Galet, si belle, aperçue dans un château. Donc j'étais amoureux, je marchais dans le monde, je vivais en lisant. Je marchais en lisant, je voyais tout. Je me suis rendu compte de la grandeur de la littérature, le poids de chaque mot pour vivre hors de cette prison. Ah mais c'est bien, on va finir en refusant du monde. C'est étonnant cette faculté. Cette faculté de métamorphoser les salles. Venez, oui, mais maintenant, de toute façon, il y a plein de places là, les filles. Bon. Bon. À mesure, je me déplace moi aussi. Alors, seulement, vous allez avoir dû comprendre comment... Bon. Bref. Donc, pendant 6 mois, j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait dans cette prison militaire. Et j'ai compris que la littérature, ce n'était que des émotions. Tout à l'heure, on a abordé le rôle de la langue corse, le rôle de la langue française. Quel est le rôle? On a beaucoup parlé de syntaxe, de normes, etc. Mais moi, je n'ai pas voulu prendre la parole parce que je la prends maintenant. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure. Pour moi, la norme en littérature, il faut souvent la casser. Et celui qui l'a le plus cassé au XXe siècle, c'est Louis-Ferdinand Céline. Il disait « La littérature, pour moi, c'est dégoupiller une grenade et la balancer sous la coupole de l'Académie française ». Il était contre la norme. Et quand on lit ses romans à partir de Voyage au bout de la nuit,
Mort à crédit et les autres, il a concassé la langue, il a pulvérisé la langue. Il a mélangé l'imparfait du subjonctif avec l'argot parisien. Donc il a transgressé la norme. Et c'est ça une langue vivante. Ce n'est pas une langue qui est trop normative, c'est une langue que l'on transgresse. Et c'est pour ça qu'elle est émouvante, c'est pour ça qu'elle est vivante. Donc je reviens sur mes 6 mois de prison où je découvre tout ça, où je découvre la langue. Et ensuite, j'ai redéserté l'armée, j'ai fui cette prison et je suis venu me cacher en Corse parce que j'avais des origines corses. 3 de mes grands-parents étaient corses, 2 étaient du Cap Corse et ma mère était d'Oretz. Et comme mon grand-père me racontait toujours qu'en Corse, les bandits, on ne les attrapait pas, quand j'ai déserté l'armée pour la 2e fois, je suis venu me réfugier à Bastia. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une boîte de nuit de Bastia. Donc j'ai commencé une vie d'aventure. Et puis ensuite, je suis parti à Istanbul, je suis revenu en France. Et en France, je suis devenu infirmier en psychiatrie. Bon, il m'a fallu faire bien sûr 1 mois et demi de prison pour régulariser ma situation. Mais je l'ai régularisé et j'ai repris mon travail en psychiatrie et mes lectures. Et j'ai écrit, j'ai envoyé des romans à Paris, j'ai été refusé pendant 7 ans, j'ai fini par être publié. Et lorsque j'ai été publié, pour mon premier roman qui s'appelait Les Chemins Noirs, dans ce premier roman, je racontais mes 6 mois de prison militaire. Ce que je vous ai raconté en 2 mots, je le racontais dans mon premier roman. Et le ministère de la Culture m'a téléphoné en me disant « Nous cherchons des gens comme vous, qui ont publié 1 ou 2 livres, qui sont donc écrivains, et qui ont connu, d'une manière ou d'une autre, le milieu carcéral. » Donc, ils avaient lu mon roman, où j'évoque pendant 100 pages mes journées de prison, et ils m'ont envoyé dans la vieille prison d'Avignon, qui est fermée aujourd'hui, qui était la plus vieille prison de France. Et c'est là que j'ai fait mes premiers ateliers d'écriture, en improvisant, parce que je n'avais aucune formation. D'une part, aucune formation pédagogique, je n'ai pas le bac, et pourtant j'ai publié 20 livres chez Gallimard. Donc, pour ceux qui ont du mal à décrocher des diplômes, sachez que voilà un métier, écrivain, que l'on peut faire sans diplôme, à condition d'adorer la littérature, de lire et d'écrire tous les jours de notre vie, et de se coltiner avec chaque mot. C'est une passion, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc voilà, j'arrive en prison, à la prison d'Avignon, la vieille prison, et le directeur me dit « Mais je n'ai aucune salle pour vous mettre avec les détenus. » Et je lui ai dit « Vous avez bien une bibliothèque ?» Il me dit « Oui, on a une bibliothèque, mais c'est une simple cellule avec un détenu qui est le bibliothécaire. On a 200 ou 300 livres et le détenu est dans cette cellule. » Et il tourne avec son chariot, il distribue des livres aux détenus. Ben, je lui ai dit « Amenez-moi dans cette bibliothèque. » Et je me suis retrouvé dans une cellule de 8 mètres carrés, tapissée de livres, avec le bibliothécaire, qui était un escroc, parce que bon, les escrocs, c'est plus cultivé que les braqueurs. Donc c'était un escroc, et je me suis rendu compte que dans les prisons où j'ai travaillé, dont je vais depuis plus de 20 ans dans les prisons, que souvent, les bibliothécaires sont des escrocs, parce que ce sont les seuls qui, pour escroquer, ont besoin de parler plusieurs langues, de très bien parler le français, ils savent très bien manier la langue. Hein, ce sont de grands linguistes. Et j'ai commencé mon premier atelier d'écriture improvisé dans cette cellule. Ils sont tous assis par terre, il n'y avait qu'une chaise, ils m'ont cédé la chaise, comme aujourd'hui. Et nous avons parlé pendant 3 heures de tout, sauf, je crois, de littérature, de football. C'était tous des Marseillais ou presque qui adoraient l'Olympique de Marseille. Donc on a parlé de football. On a parlé de femmes, voilà de grands sujets. Vous rentrez dans n'importe quel bar de Marseille où j'ai grandi, on parle de quoi? On parle de foot, on parle de femmes, on a parlé de ça pendant 3 heures. Et quand ils ont vu que j'étais un type normal, qui avait plus ou moins leur accent, qui connaissait bien le foot, qui aimait beaucoup les femmes, ils se sont dit « il est comme nous ». Et puis je leur ai dit que j'avais fait 6 mois de prison moi-même, donc ils se sont dit « il est vraiment comme nous, il sait ce que c'est qu'une porte qui ne s'ouvre pas ». Et donc, je suis retourné pendant des années là-bas. Et les études,
pédagogiques que je n'avais pas faites sur les bancs d'une école, je les ai faites, comme j'ai tout fait dans ma vie, en improvisant, de manière autodidacte, de manière très empirique. Hein, tout ce que j'ai appris sur la littérature, je l'ai appris seul. Mes professeurs, finalement, ce sont les grands écrivains que j'ai lus durant toute ma vie. Je lis à peu près un livre par jour, je dévore les livres, et c'est comme ça que j'ai fait mes classes. Et la pédagogie, eh bien, je l'ai apprise en bricolant avec eux. Comment on anime un atelier d'écriture? Alors, on va parler de ça avec vous. Qu'est-ce qu'un atelier d'écriture? J'en anime aussi à l'extérieur. Hein, souvent, je fais écrire des professeurs aussi, qui en savent peut-être plus que moi sur la théorie, mais qui n'ont pas la pratique de l'écriture. Et donc, je leur montre comment on se lance dans un roman, dans un récit, dans une nouvelle, dans une pièce de théâtre. Comment on commence? Et en prison, c'est un peu particulier et beaucoup plus difficile parce que les niveaux sont très inégaux. Moi, je fais écrire des gens qui ont un niveau de CM1, CM2, enfin le voyou classique, hein, qui a attaqué des fourgons, qui a des machines à sous, qui fait la cocaïne. En général, ils ont un niveau très bas. Ils viennent presque tous des mêmes quartiers, les quartiers nord de Marseille. Et puis, il y a ces fameux escrocs ou apparentés ou crimes passionnels. Les crimes passionnels et les escrocs ont souvent un niveau excellent. Et il faut arriver à unifier toutes ces écritures, ces niveaux. Eh bien, moi, je le fais en installant un climat de confiance. Je rentre un peu avec du vrai café en prison, qui est interdit, parce que les gardiens, je me suis rendu compte au fil des années, ferment les yeux sur le shit. Quand ils fument un bambou le soir, ça les endort gentiment dans leur couchette. Alors que quand ils boivent 7-8 cafés dans la journée, ils ne dorment pas, ils se battent, ils insultent les gardiens. Bref, c'est l'enfer. Et ça, les gardiens, ils ont compris qu'il y avait une loi extérieure où le café, vous pouvez en boire, enfin, vous pouvez fumer un joint aussi, mais enfin bref, le café est absolument conseillé à l'extérieur et le shit est plus ou moins interdit. Alors qu'en prison, c'est le contraire. Le shit est plus ou moins toléré et le café est interdit. Donc j'amène un peu de vrai café. On commence par un vrai café. J'apporte aussi des navettes de Saint-Victor. Il n'y a pas beaucoup de canistrelles, donc j'apporte des navettes de Saint-Victor. Et on commence par ce moment d'amitié, comme dans un bistrot. Et au fil des années, ils commencent un travail. Ils ont tous un cahier, ils écrivent en cellule. Et ils viennent là lire à haute voix, chacun leur tour, ce qu'ils ont écrit. Alors bien sûr, les grands savants, les quelques grands savants, escrocs et autres, écrivent 30 pages dans la semaine, les autres écrivent difficilement 10 lignes, et il faut arriver à cohabiter. Donc la seule règle que j'impose à chacun, c'est le respect de chacun. On écoute celui qui lit, peu importe son niveau, s'il a écrit 3 lignes, c'est qu'il a mis une semaine à écrire 3 lignes. Donc respect. Je leur demande le respect de chacun. Et c'est comme ça qu'on évolue. Alors voilà, bon, on va rentrer précisément, si vous voulez, dans ce qu'est un atelier d'écriture. Mais je voulais vous présenter ce panorama. Un type plutôt atypique comme moi, hein, qui ne fait pas d'études, qui a toujours taillé l'école, qui a grandi dans les rues, qui a fait les 400 coups, qui se retrouve en prison et qui, malgré tout, est publié par Gallimard. Et grâce à ça, va en prison, animer des ateliers. Alors ça m'a permis moi-même de me nourrir, parce que nourrissant les autres, amenant des mots, des valises de mots, des sacs de mots, des émotions, ça m'a permis de les écouter aussi et de me nourrir. J'ai écrit 4 ou 5 polars, 4 ou 5 romans noirs qui se passent à Marseille ou dans les prisons et qui sont nourris de leurs anecdotes, de cette atmosphère carcérale, de leur langage aussi. Hein ? Donc j'ai écrit quelques polars qui sont l'émanation de la prison. Donc il y a une relation dialectique, je leur apporte des phrases, je leur apporte des odeurs, je leur apporte pour déclencher leur écriture. À une époque, je leur amenais des extraits de parfums. Ma fille, qui avait 7-8 ans, collectionnait des petits flacons qu'on donne dans les parfumeries et je leur apportais à chacun des extraits. Je leur disais « respirez, ce sont des parfums de femmes » et puis voilà, écrivez quelques lignes ce que vous inspire ces parfums. Hein ? Parfois, j'amenais des cartes postales représentant des tableaux de peintres. Parfois, je leur amenais des feuilles mortes. Enfin, tout est bon pour les faire écrire, faire rentrer le monde extérieur en cellule pour qu'ils sortent de là. Et je me suis rendu compte que quelqu'un qui passe une vie
Moi, j'ai les longues peines. Au Baumettes, je travaille au bâtiment D. Je franchis 17 grilles pour arriver au bâtiment D, donc c'est le plus éloigné, mais c'est celui réservé aux longues peines. Et je me rends compte que les détenus qui ne lisent pas, qui ne pensent pas, qui n'écrivent pas, très vite, ils ressemblent à un mur ou à un barreau. Ils deviennent des murs. Ils parlent à un mur et le mur leur répond. C'est-à-dire, ils deviennent des murs. On ne les voit plus, ce sont des fantômes. Et ceux qui lisent, ceux qui écrivent, eh bien, leur tête est à l'extérieur. Ils savent encore ce que c'est qu'un arbre, un coquelicot, un parfum de femme, une rivière, un bateau. Parce que lorsque vous lisez le mot voilier, le mot bateau, et vous voyez le bateau, la mer, le coucher du soleil. Quand vous ne lisez pas, tout ça, vous l'oubliez. Il n'y a plus qu'une réalité, c'est le mur qui est devant vous. Donc, la lecture, l'écriture, ça leur permet de faire rentrer le monde entier à travers les barreaux, comme je l'avais fait moi-même en lisant à 19 ans dans cette prison militaire. Donc voilà, c'est le rôle de la littérature, bien sûr, en général, pour nous tous, dilater l'imagination, nous permettre de voyager, même lorsqu'on est assis sur une chaise chez nous. Mais pour eux, c'est encore plus nécessaire, ce voyage immobile qui leur permet de traverser les murs et de voyager dans le monde entier. On va peut-être établir un premier dialogue avec vous. Si vous avez des questions plus précises, là, je vous ai dessiné un panorama général de mes ateliers, 20 ans d'atelier d'écriture en prison, mais je crois que l'intitulé de cette fête du livre, c'est Une plume pour épée. Une plume pour épée, qui est peut-être une phrase de Jean-Paul Sartre, j'ai oublié. Mais ce que je leur dis à ces détenus, je leur dis, posez vos calibres, prenez un stylo. Ce qui revient au même. Une plume pour épée, c'est une arme, la plume. Moi, je leur dis, posez vos calibres, prenez un stylo, c'est-à-dire changez d'arme. Changez d'arme. Culture ou barbarie. Vous avez fait couler le sang, vous le ferez sans doute encore couler, mais prenez un stylo, vous vous défendrez beaucoup mieux dans la vie, pour trouver un travail, au procès, pour parler avec le président, le procureur. Apprenez à parler, le lien social, c'est le langage. C'est le plus grand des pouvoirs pour se battre dans la société, pour trouver un boulot, pour sortir de prison, pour séduire une femme. Je dis ça parce que j'ai des hommes en face de moi. Hein. Le langage, les mots, les mots. Donc voilà le rôle de mes ateliers d'écriture en prison. Alors si vous avez déjà une première question, parce que moi je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est beaucoup plus efficace de répondre à des questions précises. Au moins, je sais exactement ce que vous avez envie d'apprendre. Alors, qui veut poser la première question? Des murs, non, parce que moi, je ne note pas. Il n'y a pas d'examen. Ils viennent pour le plaisir d'être ensemble et d'apprendre quelque chose, d'évoluer. Hein? Donc, quand quelqu'un ne s'intéresse pas, ça m'est arrivé d'avoir des échecs. Ils restent 2, 3 mois et puis ils s'en vont. Je ne les revois plus. Mais ça se renouvelle. Moi, je limite à 12 parce que si j'avais 30 élèves, on ne pourrait pas rentrer dans l'intimité de chacun. Et si on veut installer une confiance dans ce groupe qui va durer des années, même si de temps en temps il y a un transfert, les longues peines attendent le procès, 3, 4, 5 ans, puis ensuite ils partent en centrale. Mais je peux les avoir pendant 4 ans. J'ai eu un groupe de Corses, par exemple, il n'y avait que des Corses à Salon parce qu'ils avaient appris que j'avais des origines corses, et j'avais 12 Corses. Le lundi matin, j'arrivais à la prison de Salon, et les 12 Corses arrivaient. Et on commençait à 9h par le café, et ils chantaient en Corse. On a parlé tout à l'heure du chant corse, ils chantaient en Corse. Et même les gardiens venaient les écouter, tellement c'était beau. J'étais le seul à ne pas chanter parce que je ne connaissais pas ces chants corses, mais je les écoutais avec un plaisir immense. Pendant 20 minutes, 25 minutes, et ensuite on passait au dialogue, à la littérature, ils tripotaient leurs cahiers. Donc voilà, c'est toutes les formules sont bonnes. Ils venaient parce que. Alors, il y a toujours des petits bénéfices secondaires. Ils venaient parce qu'il y a plusieurs bâtiments à la prison de Salon. Et souvent, quand ils sont dans une même affaire, ils sont dans des bâtiments séparés. Et là, ils s'étaient inscrits d'abord pour pouvoir se voir dans une activité centrale, la mienne.
Ça leur permettait d'échanger des trucs, des tuyaux, ou simplement parler de leur famille, de la Corse, hein, ou même préparer un procès. Peu importe. Moi, du moment qu'ils venaient à l'atelier d'écriture, ça me faisait plaisir. Et ils se regroupaient là, le lundi matin, pendant 3 heures. Que des Corses. À l'époque, c'était beaucoup de gens de la Brise de Mer ou apparentés. Bon. Et j'ai appris aussi toute l'histoire de la Brise et de ce qui a suivi. C'est vous dire que c'est réellement dialectique. Je me suis nourri de leurs récits. Alors, échec ? Non. Ils sont venus, ils viennent pendant des années. Puis celui qui décroche, il décroche. Hein. On n'est pas obligé de venir dans l'atelier. Puis parfois, il y a des dépressifs. Pendant 2-3 séances, je ne les vois pas. Ils sortent même pas de leur cellule. Ils descendent pas dans les cours. Et puis, ils reviennent lorsque la dépression est passée. Voilà, donc des échecs. Je n'ai jamais été agressé. C'est pour ça que quand je dis « posez vos calibres, prenez un stylo », on est là pour la bonne cause, pour la langue, pour ce lien social. Une seule fois, j'ai été agressé en 20 ans, au Baumette. Alors que dans les cours, nous, de temps en temps, on entend gueuler. Alors, on se lève, on va à travers les barreaux, on domine la cour du bâtiment D, où je travaille. Et là, il y a des bagarres sans arrêt. D'ailleurs, entre Corses, Maghrébins, il y a des bagarres sans arrêt. Et dans mon atelier d'écriture, une seule fois, un gitan qui, comme on dit, cela faisait très mal, hein, c'est une expression, la prison, il était très mal. Les gitans sont habitués à bouger beaucoup, n'ont pas de règles, pas de lois. Et là, il était condamné à 17 ans de prison. Il était très mal. Et il avait l'illusion, c'était un peu délirant chez lui, un peu paranoïaque, il avait l'illusion que je venais en prison pour lui vider la tête. Parce que je les faisais parler, je les faisais s'exprimer. Et moi-même, j'étais en train d'écrire un polar, donc j'utilisais un peu leurs anecdotes. Il avait l'impression, ce gitan, que je venais là pour lui vider sa tête. Il m'a sauté dessus, il m'a dit « tu viens ici pour me vider la tête ». Et il a commencé à m'étrangler. Et il y avait justement le milieu qu'on appelle corso-marseillais, qui était en force, dont il y en a deux qui l'ont attrapé, qui l'ont cloué sur sa chaise. Et à 5 heures, lorsque le gardien a ouvert la porte, parce qu'on travaille dans une petite pièce fermée, pendant 3 heures, les surveillants restent dans le couloir. Donc, quand les surveillants sont venus ouvrir, les gros truands corso-marseillais m'ont dit « il ne s'est rien passé, tu n'en parles pas ». Donc je suis rentré chez moi, je n'en ai parlé à personne. Et le lundi d'après, quand je suis arrivé à 2 heures au Baumette, le gitan n'était pas là. Alors j'ai dit « Ricardo, il n'est pas venu ». Et les truands m'ont dit, il est tombé dans l'escalier. Bon. Et je ne l'ai plus. Alors, c'était un échec. Parce qu'il ne s'était pas adapté. C'est mon seul échec, vraiment. Il était tombé dans l'escalier. Bon, il n'est pas revenu. Mais c'est le... Voilà. Sinon, échec, non. Chacun évolue à son rythme. À son rythme. Il n'y a pas de programme. Moi, je n'ai pas de programme. Comme je n'ai jamais eu de programme dans ma vie. Donc, avec eux, il n'y a pas de programme. On s'adapte à la situation, on lit, il y en a qui commencent une pièce de théâtre, d'autres qui commencent un roman, d'autres qui commencent un récit autobiographique. Et quand le récit est très bon, je trouve un éditeur parfois. J'ai fait publier quelques récits, quelques romans de détenus. Enfin, sur 20 ans et plus, j'ai fait publier peut-être une dizaine de livres. Mais c'est toujours 10 livres publiés par des détenus qui, au départ, étaient comme moi, presque illettré. Et l'évolution a été rapide. Cette passion découverte en prison. Donc voilà, c'est... Il y a une autre motivation, bien sûr, pour eux, qui ne veulent pas tous devenir écrivains. Il y en a qui viennent que pour le café, et ils se prennent au jeu. Mais je dirais que la principale motivation, et qui est tout à fait louable, c'est une correspondante. Une correspondante. Au bout de 3 ans, 4 ans, ils sont tous plus ou moins abandonnés par leurs épouses ou leurs compagnes, sauf les gros truands. J'ai vu justement ce qu'on appelle les corso-marseillais, les gros truands. Leurs femmes peuvent venir pendant 15 ans parce que, voilà, ce sont des gens très célèbres et leurs femmes ne les ont un peu parce qu'elles sont un peu forcées aussi par l'entourage, par les lieutenants. Elles viennent, elles continuent à venir. Les voir pendant 15 ans. Sinon, les voyous moyens sont abandonnés au bout de 2-3 ans par leurs femmes et qui ne peuvent plus venir au parloir. Et alors, ils me disent, tu ne connais
mettrai pas une femme seule à l'extérieur. Et quand je suis, par exemple, dans mes voyages, comme ça, à travers la France, je fais des débats, des cafés littéraires, et parfois, des femmes me disent bah, « Moi, je suis divorcée, je suis seule. » Et elles me donnent leur adresse. Et elles commencent une relation épistolaire avec les détenus. Alors, je choisis toujours un détenu qui est seul depuis des années, qui a besoin d'une correspondante, d'une histoire en tout cas amicale, et la correspondance commence. Et alors, dès que la correspondance s'installe, je vois les progrès qu'ils font, parce que là, il y a un but, une motivation. Il faut peut-être séduire même, de manière amicale, et puis peut-être une amitié amoureuse, et pourquoi pas une passion. Mais là, ils font des progrès très rapides, parce qu'il y a une motivation amoureuse. Voilà un peu le panorama général des motivations. Certaines veulent devenir écrivains, c'est une minorité. Beaucoup veulent une correspondante et d'autres viennent là parce qu'on passe un bon moment. Voilà, il n'y a pas de... Tout est bon pour les amener à poser un calibre et à prendre un stylo. C'est la phrase de Victor Hugo. Je crois que le texte s'appelle Claude Gueux. Il disait, Victor Hugo, « La tête du peuple, cultivez-la. » Arrosez-la, défrichez-la, cultivez-la, vous n'aurez pas à la couper, la tête du peuple. C'est l'époque où on faisait tomber les têtes, mais enfin en France, il y a 30 ans, on faisait tomber les têtes encore, la guillotine existait. Eh bien, ce que Victor Hugo avait trouvé de mieux il y a 150 ans, ça reste vrai. C'est le rôle des professeurs, des instituteurs, de remplissez les têtes, vous n'aurez pas à la couper. La seule lutte contre la barbarie, c'est la culture. Culture ou barbarie? Oui, quand on... Je ne sais pas si un professeur revoit des étudiants après. Moi, en général, ils viennent tous chez moi me voir en sortant. Je suis parfois la première personne qu'ils viennent voir, parce qu'après des années, quand on a fait 15 ans, 20 ans de prison, à part une maman, à part une famille très proche, le tissu familial s'est déchiré, ils viennent me voir. Et ils me disent, tiens, je t'invite au restaurant, et on renoue. J'ai eu quelques embêtements d'ailleurs, bon, peut-être que je vous les raconterai, mais à force de recevoir chez moi des gens qui sortent de prison, je me suis retrouvé un matin avec des menottes, j'ai fait 96 heures de garde à vue à l'évêché à Marseille, et puis j'ai été mis en examen, j'ai fait pas mal de garde à vue, ça a duré 10 ans. J'ai été jugé l'an dernier, et j'ai été relaxé, avec des excuses de la justice, mais ça a duré 10 ans. Hein, de petites incarcérations, c'est vous dire que c'est ma vie, quand on touche un peu à ce milieu, il y a toujours des risques. Bref, quand ils sortent de prison, ils viennent me voir et ils me disent parfois « Tu pourrais pas me trouver un petit truc pour vivre, pour un petit boulot ?» Et il m'est arrivé de leur trouver 2-3 fois des travaux de libraire, parce que je connais tous les libraires du Sud-Est, de Nice à Montpellier, comme je fais souvent des interventions dans les librairies, je connais personnellement tous les libraires. Et 2-3 détenus, je suis arrivé à les caser dans des librairies, à Marseille d'ailleurs la plupart du temps. Ils sont devenus libraires et ils sont devenus de très bons libraires, alors qu'ils n'avaient pas de formation. Mais les libraires m'ont fait confiance. Et ils les ont embauchés. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Le type vient de faire 12 ans, 13 ans de prison, avec tous les gens qui cherchent du boulot, qui ont fait des IUT du livre, etc. Embaucher un mec qui sort de prison, c'est pas facile. Ils m'ont fait confiance et ils s'en sont pas mordus les doigts. Les détenus m'ont dit, je te promets qu'il n'y aura jamais de vagues. Et ce sont devenus de très bons libraires. Et puis, les quelques personnes que j'ai fait publier sortent de prison, ils viennent me voir, bien sûr. J'ai un cas en tête, j'ai raconté un petit peu notre relation dans un de mes livres, qui s'appelle « La fiancée des corbeaux ». Je crois que mes livres ne sont pas encore arrivés, c'est Ajaccio qui doit la librairie La Marge, qui doit mener mes 20 romans. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront, mais ils devraient arriver. Et dans un de ces livres, qui s'appelle « La fiancée des corbeaux », je raconte... ce détenu, c'est un détenu très spécial, il a fait 26, 27 ans de prison, c'est lui qui a mis en place la grande French Connection. Enfin, je n'ai pas l'accent, la French. Il s'appelle Jean-Claude Kellar,
Il s'était évadé de Fresnes à 19 ans, il est parti se planquer, comme on dit, sur la Costa Brava. Il a rencontré Francis le Belge et Tony Languille là-bas, dans les années, fin des années 60. Et il faisait le shit hein, du Maroc. Et ils se sont dit, c'est trop petit pour nous, on va se lancer dans l'héroïne. C'est l'époque, justement, où on faisait venir de Turquie la morphine base, on l'a transformée en héroïne. Et ils se sont dit, le marché, le grand marché, c'est les États-Unis. Et ils ont créé la French. Et c'est lui, Jean-Claude, qui est parti là-bas, il avait 20 ans. Il s'est installé à Miami, il ne connaissait pas un mot d'anglais. Il a appris à parler. Il a contacté la mafia new-yorkaise et ils ont établi cette passerelle entre Marseille et les États-Unis, la French. Et donc, après 26 ans de prison, il avait vieilli, Jean-Claude. 26 ans en trois fois. Et il est devenu mon élève dans la prison dans la nouvelle prison d'Avignon, au Ponté. Il est devenu mon élève pendant 2 ans. Et quand il est sorti de prison, il avait fait de tels progrès qu'il m'a dit « j'ai envie d'écrire ma vie ». Et il est allé se réfugier chez une femme qui avait toujours été amoureuse de lui, à Nice, la fille d'un grand parrain de la Côte d'Azur, Fratoni. Vous avez entendu parler peut-être de Fratoni, un Corse établi sur la Côte d'Azur, qui avait tous les casinos, toutes les machines, etc. Et la fille de Fratoni a toujours été amoureuse de Jean-Claude. Donc elle l'a récupéré chez lui. Et là, elle lui a dit, j'ai 400 mètres carrés d'appartement, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux. Elle était tellement heureuse d'être avec lui qu'il a installé son bureau. Il avait un tout petit ordinateur et tous les matins à 10h, il m'appelait. Et nous avons continué pendant un an l'atelier d'écriture à l'extérieur. Comme nous avions fait en prison, eh bien, je savais qu'à 10h, mon téléphone sonnait. C'était Jean-Claude. Et il me disait à haute voix ce qu'il avait écrit le matin. Donc, il a écrit 400 pages que je corrigeais au fur et à mesure. Je lui ai trouvé un éditeur et nous avons publié son livre. Le titre s'appelle « L'affranchie ». C'est l'histoire de Jean-Claude qui est là. Voilà, alors je pourrais vous raconter comme ça une dizaine d'exemples de détenus que j'ai fait publier. Ça sert à ça aussi, l'atelier d'écriture, à les amener vers la littérature. Alors, c'est pas tout le monde n'est pas le Marquis de Sade ou Jean Genet. On pourra parler des grands exemples littéraires de la prison. J'en ai cité deux, mais il y en a aussi une bonne vingtaine de gens qui sont passés par la prison et qui sont devenus de grands écrivains. Là, c'est pas le cas pour mes anciens élèves. C'est plutôt une narration très classique, une bonne rédaction. Mais comme ils ont quelque chose à dire, c'est plus l'histoire qui compte que le style. Hein ? Ce sont des témoignages de quelque chose qu'on connaît mal, la prison ou le grand banditisme. Voilà donc des exemples de gens qui sortent de prison, qui viennent me voir, simplement parce qu'ils me disent « le meilleur moment pour moi dans la semaine en prison, c'est quand tu venais ». Parce que c'était une liberté totale, on parlait de tout, on pouvait tout dire. Moi, je leur disais « ici, il n'y a qu'une chose qui est interdite, c'est la violence ». Et c'est le mépris de celui qui a un niveau plus faible. Sinon, vous pouvez tout dire. Dans l'écriture, on peut tout dire. C'est ça l'écriture. C'est la transgression de tout. Si vous avez envie d'écrire que cette nuit, vous avez égorgé le directeur de la prison, moi, je ne vais pas vous censurer. Mais dites-le avec des mots puissants. Il faut qu'on sente l'odeur du sang. Quand on lit votre texte, si tu as égorgé cette nuit le directeur des Baumettes, il faut que le sang pisse partout comme un cochon. Parce que sinon, ce n'est pas de la littérature. On n'est pas dans un salon littéraire. On est dans un atelier d'écriture où on cherche le mot juste. Si tu parles d'érotisme, il faut que le type qui lit ou la femme qui lit soit excité par ton texte. Et si tu parles d'un crime, il faut qu'il ait l'odeur du sang. C'est ça un atelier d'écriture. On n'enfile pas des perles. La littérature, c'est de la vie. Trempez votre plume dans la vie. Je l'ai dit, des escrocs, par exemple, arrivent chez moi avec un niveau étonnant. Le grand banditisme n'a pas un grand niveau. J'ai fait écrire, par exemple, Jackie Humbert, le mat. Je l'ai eu pendant un an et demi, en 93, à la prison de Luynes. Ça reste le parrain, parce qu'il a quand même pris 22 balles dans la peau. Hein, vous connaissez l'histoire, c'est Gaëtan Zampa qui lui a fait tirer dessus. Ils étaient dans la même équipe, mais enfin, bon, des différents que je ne vais pas vous raconter, ça serait trop long. C'est Gaëtan Zampa qui lui a fait tirer dessus, il a pris 22 balles, et moi je l'ai connu à la prison de Luynes. Il a encore 2 balles dans la peau, mais il s'en est sorti.
Il a perdu un bras, il a perdu un œil, il tire avec son bras gauche. Mais enfin, il a quand même décimé une trentaine de membres de la bande de Zampa. Et on l'appelle l'immortel, c'est un personnage. Et on est devenu amis dans cet atelier d'écriture. Lui, par exemple, un homme très intelligent, instinctif, un loup, un instinct incroyable. Il n'a jamais écrit un mot dans mon atelier d'écriture. Il parlait posément. Mais il est venu, ça lui plaisait. Il n'a jamais écrit un mot. Comme il n'y a pas de... Je n'impose rien, moi. Je me dis toujours qu'un jour ou l'autre, ils vont déclencher. Et même s'ils viennent, ils apprennent quelque chose. Mais c'est un de mes seuls élèves qui n'a jamais écrit un mot. Jackie Imbert. Il est venu pendant un an et demi. On se voit toujours à l'extérieur. Et puis, il y a des cas extraordinaires. Je pourrais vous en raconter pas mal. Je vais vous en raconter un. Un jour, un jeune homme des quartiers nord vient dans mon atelier d'écriture au Baumettes, le jeune Polo, et il me dit, j'ai appris qu'il y avait du café, j'ai envie de boire un café. Un jeune qui était plutôt agressif, insolent, plein de haine, il était venu pour le café. Et je lui ai dit, assieds-toi. Un jour ou l'autre, je me suis dit, peut-être qu'il va déclencher quelque chose. Et pendant 2-3 mois, il vient, il boit le café, il écoute et tout, mais il est très, il ne savait pas lire. Et donc, en mangeant un jour au mess, je mange souvent avec le personnel, les surveillants, tout ça, à midi, au Baumettes. Et il y avait l'assistante sociale du bâtiment D, Hélène. Et elle me dit, tiens, j'ai appris que Polo venait dans ton atelier, c'est bien parce qu'il a eu une enfance. Et elle me raconte, en deux mots, l'enfance de Polo. Moi, j'ai des hommes devant moi, mais je ne connais pas, tant qu'ils ne me racontent pas leur passé, je ne connais pas leur passé. Et elle me raconte l'histoire de Polo. Elle me dit, il a grandi au plan d'Ao, en haut des quartiers nord, et un matin, quand il avait 2 ou 3 ans, la maman était en train de préparer la sœur, de coiffer la grande sœur, Polo braillait, il voulait un biberon, dont la maman va préparer un biberon, la sœur se penche au balcon, bascule, et s'écrase 12 ou 15 étages plus bas. La mère pète les plombs et se met à torturer le bébé, Polo, mais vraiment en le détestant. Elle le rend responsable de la mort de cette... elle le brûle. Et les institutrices qui l'ont vu arriver à la maternelle, c'est un enfant qui était battu, qui était... Donc à 15 ans, vous imaginez dans quel état est ce minot. Battu, torturé par sa propre mère. Il a tout raté, il agresse tout le monde, il ne va jamais à l'école. Et à 15 ans, il commence ses premiers braquages. Avec une violence inouïe. Il tire sur la police, bref. À 20 ans, Polo se retrouve au Baumettes. Et il vient de prendre 20 ans. 20 ans de prison. Voilà le jeune homme que j'avais devant moi, avec des yeux qui brûlaient de haine. Et à quelque temps de là, je me trouve devant un auditoire, comme dans la médiathèque du Merlan, qui est un quartier de Marseille. Donc je parle de mes ateliers et je raconte l'histoire de Polo, comme je voulais raconter. Et à la fin de la séance, une jeune femme vient vers moi, très jolie, et elle me dit... J'ai été touché par ce jeune Polo. J'aimerais bien, même si ce n'est pas lire, lui envoyer un mot. C'est vous qui lui liriez. Et je donne l'adresse de Polo, 3e étage, bâtiment D. Et quand j'arrive le lundi, Polo avait cette carte postale dans les mains. Et tout le monde lui avait lu. Et il me dit, mais pourquoi tu lui as donné mon adresse? Qui est-ce? Et je lui ai dit simplement, c'est la plus belle femme de Marseille. Elle est d'une beauté. C'est la plus belle femme de Marseille. Il me dit, qu'est-ce que... Je lui dis, ça serait bien qu'on réponde quand même. On s'est mis dans un coin avant que l'atelier d'écriture commence et on a répondu. Et quand je sors le soir, je poste la lettre de Polo. Et pendant des mois, elle lui écrivait chaque semaine et chaque semaine, il m'attendait. On lui avait lu dans la détention la lettre. Il m'attendait pour répondre. Et je me suis rendu compte que dans sa tête, il élaborait des réponses de plus en plus développées. Et de plus en plus affective. Je me suis rendu compte que son armure de tueur, son armure de violence et de haine se fracturait et il était en train de ressentir ce qu'il n'avait jamais ressenti, quelque chose d'affectif, un sentiment amoureux qu'il ne connaissait pas. Jusque-là, quand tu es torturé par ta propre mère, les femmes, c'est épouvantable, mais pour lui, une femme, à la rigueur, c'est comme un fourgon blindé, quoi. Il faut la prendre au passage et c'est tout. Violemment et brièvement. Alors que là, il se rendait compte qu'il ressentait des choses qui montaient des profondeurs, qu'on appelle sans doute la tendresse.
la douceur, l'amour. Et je l'ai envoyé voir l'instituteur, parce que moi, je ne pouvais pas lui faire un cours personnel. Je lui ai dit, tu vas apprendre l'alphabet, tu vas aller voir l'instituteur, il est là pour ça, pour t'apprendre à écrire, et tu continues à venir ici. Et il a fait les deux. Et pendant un an, il a fait l'instituteur, il venait me voir, il était amoureux, pour la première fois de sa vie. Et un jour, il m'a dit, elle a demandé un parloir, elle va venir me voir, ils se sont vus, et 2 mois après, il m'a dit, on a décidé de se marier, est-ce que tu acceptes d'être notre témoin ? Et ils se sont mariés en prison, j'ai été leur témoin. Et ce mec-là, maintenant, il est toujours vivant. Il lit Dostoïevski, il lit Jonot, il lit Céline, il lit... Alors qu'il ne savait pas écrire son nom. C'est une femme qui l'a amené vers la littérature. C'est tout le miracle, bien sûr, de l'amour. Moi, je ne suffis pas à les amener complètement vers la littérature. C'est vous dire à quel point le rôle de l'amour est important. Le rôle d'une maman, d'abord, de la langue maternelle, le rôle de la famille, la première marche de la société. Si vous ratez cette première marche, vous pouvez avoir les meilleurs professeurs de la Terre par la suite. Tu ne peux pas rattraper ce qui n'a pas été construit affectivement. Notre langue, qu'elle soit corse, italienne, française, peu importe, une langue est un lien social, une langue est avant tout une langue maternelle, une langue affective. Et si tu n'as pas construit cette langue affective, par de l'amour, eh bien cette langue, elle va être vulgaire, elle va être méprisante, ça sera une langue de haine. Dans les quartiers nord, la plupart des familles que je connais et qui nourrissent les baumettes, ils ont 100 ou 200 mots qui sont des mots de vulgarité, de violence, de haine, parce qu'ils n'ont pas eu les mots de l'amour. Et ces femmes, ces adresses que je leur apporte, cette femme qui était la plus belle de Marseille dans les yeux de Polo, eh bien, elle lui a apporté le langage, elle lui a apporté la tendresse, elle lui a apporté d'être notre homme, elle l'a métamorphosé, alors qu'au Baumette, il y a 2 murs étanches qui séparent la société des Baumettes, le bien du mal, eh bien, ces murs se sont effondrés parce qu'une femme lui a envoyé des lettres. C'est ça le lien social, la langue. Alors, peu importe, j'écoutais tout à l'heure le débat, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit dialecte, qu'elle est une norme, peu importe. Une langue évolue, une langue bouge. L'important, c'est que cette langue soit un lien social, quelle qu'elle soit. Il y a beaucoup de professeurs qui ont du mal à donner l'envie d'apprendre à tous leurs élèves, en fait. Et vous, vous êtes parvenu à donner l'envie d'apprendre à des détenus, à leur faire aimer la littérature et l'écriture, alors que, enfin, à la base, c'est des détenus et vous n'êtes même pas professeur, en fait. Donc moi, je pose vraiment la question de comment. Comment vous avez fait pour vraiment éveiller cette flamme en eux et leur vraiment donner leur l'envie d'apprendre et de s'instruire et voilà, de débuter une lecture. Voilà quoi. Ce que je vais faire, je vais vous faire passer un micro, puisqu'il y a des micros. Ça, ça sera plus facile pour les questions, comme ça tout le monde les entend. Tu veux bien, tu feras passer le micro comme ça. Oui, c'est une question délicate parce que ça peut poser le problème de l'académisme, de la formation, de l'uniformité de l'école. Alors, je dirais ce que j'ai dit, les parents, le rôle des parents, c'est essentiel. Il ne faut pas se reposer entièrement sur l'éducation. L'éducation nationale ne peut pas remplacer le rôle d'une maman ou d'un papa. Moi, je n'y voyais pas. J'avais jeté mes lunettes, on se moquait de moi, on me traitait de 4 œils. Donc, je n'y voyais pas pour lire. Et ce n'était pas la faute de l'instituteur. C'est moi qui avais peur qu'on se moque de moi. Donc, j'ai raté toutes mes études. Ma mère l'a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que cet enfant souffrait. J'allais de moins en moins à l'école. L'école, pour moi, c'était un lieu de torture. On allait m'interroger. René, à toi de lire. Je n'y voyais pas. Donc, je restais dans la rue. Ma mère l'a compris quand j'avais 7-8 ans. Le soir, elle me mettait sur ses genoux, et elle qui n'avait pas fait d'études, elle savait lire, elle aimait Victor Hugo, elle aimait Alexandre Dumas, elle lisait très bien, mais elle n'avait pas fait d'études, ma mère. Mon père était peintre en bâtiment, ma mère était au foyer, un milieu très simple, dans un quartier, à la limite des quartiers nord, très simple. Mais ma mère, le soir, me mettait sur ses genoux, et elle m'a lu
Elle a mis peut-être un an pour me lire Les Misérables. C'était peut-être une version expurgée, je ne sais pas. Mais j'ai adoré ça. Tous les soirs, j'écoutais l'histoire de Fantine, de Cosette, de Jean Valjean. Et ces personnages, je pleurais. Quand Fantine vend ses dents, ses cheveux pour sauver sa fille, je trouvais ça merveilleux, bouleversant. Mais si ma mère ne m'avait pas lu ses premiers livres, je n'aurais jamais eu le goût, je crois, en prison, de lire. Je me suis souvenu de la voix de ma mère. La littérature n'est pas rentrée en moi par mes yeux, qui ne voyaient rien, mais par mes oreilles, la voix d'une maman. En plus, je me mettais sur ses genoux et j'entendais son souffle. Et cette voix qui sortait de sa poitrine, c'était la voix de la tendresse et de l'amour. Et j'aimais encore plus les romans parce qu'ils étaient encore plus vrais par la voix de ma mère. Et quand elle m'a lu Le Comte de Monte Cristo, alors que le soir je voyais le château d'If au large de Marseille, de notre fenêtre on voyait la mer. Je voyais le château d'If où avait été enfermé Edmond Dantès. Eh bien Edmond Dantès, je pensais qu'il était vrai. Je le cherchais dans les rues. Il est devenu plus important que tous les Marseillais que je voyais. La poissonnière, le matelassier, la boulangère, je les voyais à peine. Je cherchais Edmond Dantès, le Comte de Monte Cristo. Hein ? C'est pour ça que j'ai aimé tellement la justice, la lutte contre l'injustice, Jean Valjean, Monte Cristo, des gens qui ont été victimes de l'injustice. Et quand une maman vous lit ces textes merveilleux, eh bien, vous comprenez plus tard ce qu'est la littérature. Et je crois que cette fonction de lecture, quelque qui ne vous juge pas et qui vous apporte le bonheur des mots, ça sert à ça la langue, à donner du bonheur. Pas uniquement à être noté en fin d'année, à donner du bonheur, le plaisir du texte, l'amour du texte. Moi, j'ai raté toutes mes études et j'ai lu des milliers de livres pour le bonheur de lire. Et ce que je recherche dans l'écriture, on en parlera demain puisqu'on va faire un truc sur la lecture et l'écriture, c'est je me suis mis à écrire pour ressentir les mêmes émotions que j'avais en lisant, les mêmes émotions, le même voyage. Donc, ce que je dirais pour l'éducation nationale, c'est il faudrait que les études soient plus vivantes, d'une part, que le contenu soit moins analytique. Moi, je n'analyse pas. Je lis, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et après, j'essaie, en écrivant, de trouver le mot juste qui crée une musique, qui crée une musique intérieure. Quand j'étais en troisième, il y a une prof, ma prof de français, qui m'a dit, enfin qui nous a dit, on va étudier L'Étranger d'Albert Camus. Philosophie de l'absurde. On va étudier Albert Camus. Et elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Bon, René, toi, c'est pas la peine, tu n'es pas assez mature pour lire L'Étranger de... » Bon, je savais que j'étais pas très mature, mais... Et elle m'a dit ça à moi. Bon, moi, je suis allé à la plage, c'était le mois de mars, je suis pas retourné. Et un mois après, il faisait un peu plus beau, on devait être en avril ou en mai, qu'est-ce que je vois sur la plage des Catalans? Quand je taillais l'école, j'allais au Catalan, parce que toutes les filles de Marseille qui taillaient l'école allaient au Catalan. C'est là qu'on pouvait faire les premiers baisers au Catalan. Et puis en plus de ça, les filles étaient splendides, elles commençaient à bronzer, donc c'était mieux que l'école quand même. Hein. Et qu'est-ce que je vois au Catalan? Ma prof de lettres, planquée, avec, elle avait 40 ans, avec un jeune homme dans les bras de 20 ans, elle était en train de flirter avec un jeune homme de, enfin, qui avait 20 ans de moins qu'elle et tout. Je me suis dit, elle me dit que je ne suis pas mature pour lire L'Étranger, et elle ne va pas à l'école pour flirter. Et en même temps, ça, je l'ai trouvée plus humaine. Elle m'impressionnait un peu avec tout son savoir, ses diplômes. Et là, je me suis dit, elle est dans la transgression comme moi, mais elle m'est apparue profondément humaine. Mais quand elle a vu que je la regardais, elle s'est décomposée. Elle s'est dit, ça au lycée, alors là, il va prendre sa revanche. Je l'ai traité d'immature, il m'a vu là. Moi, je suis retourné de temps en temps au lycée, je ne l'ai dit à personne. Ça ne regardait personne, c'était sa vie. Et quand elle a vu que je ne le lisais à personne, il y a une complicité qui est née entre nous. Bon, mais même quand je ne venais pas, elle ne le disait pas. Et il y a eu ce secret entre nous. Voilà. Ça a humanisé mon professeur. Et moi, elle s'est rendue compte que j'étais peut-être plus mature que j'en avais l'air. J'avais maintenu ce secret. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je n'étais pas assez mûr pour lire L'Étranger, et quand j'ai lu à 20 ans, 21 ans L'Étranger, je ne me suis pas posé la question de la philosophie de l'absurde.
J'ai trouvé ça merveilleux, simplement. Un homme qui va à l'enterrement de sa mère, qui ne pleure pas. Le lendemain, il rencontre Marie. Marie est belle, désirable. Il a envie de faire l'amour avec elle. Il fait l'amour. Il va voir un film de Fernandel. Et puis, par hasard, il tue un homme sur la plage. On ne sait pas trop pourquoi. J'ai trouvé cette histoire très forte, très belle, écrite au passé composé. Hier, maman est morte, ou peut-être demain, je ne sais pas, ou peut-être hier. Enterrement demain. Eh bien ça, j'ai trouvé ça bouleversant. Je ne sais toujours pas ce qu'est l'absurde, et je ne veux pas savoir. Un texte, il est beau, il est fort, il est violent, ou il n'est pas, ou il n'existe pas. Hein ? Et quand on demandait à Camus qu'est-ce que c'est dans L'étranger, l'absurde, il disait, mais ça sont des idées de philosophes. J'ai écrit L'étranger parce que j'avais envie d'écrire L'étranger. Et moi, j'ai relu 10 fois L'étranger. Parce que je ne sais toujours pas qui est Meursault. Est-ce qu'il est un peu étranger? Est-ce qu'il est psychotique? Est-ce qu'il est tailleur? Est-ce qu'il est schizophrène? On ne sait pas qui est l'étranger. Et c'est pour ça qu'on y revient. Une fois qu'on t'a dit, voilà, L'étranger, c'est ça, tu n'y reviens pas. Moi, c'est le mystère de la littérature qui me plaît. Le mystère de chaque livre. Le mystère qu'il y a dans Voyage au bout de la nuit, dans L'étranger, dans le personnage de Raskolnikov. Tout ce qui, le tumulte de Raskolnikov, c'est le mystère et la beauté de la littérature. Il ne faut pas que le professeur explique un peu, c'est nécessaire, qu'il nous explique le fonctionnement, l'articulation de la langue, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est important. Mais le plaisir de lire, la liberté de lire, très important. Bon, il y a des profs dans la salle, ils peuvent s'insurger, ils peuvent revenir moi, je vous parle du plaisir de la liberté, parce que c'est mon métier, j'aime la liberté. Mais il y a aussi quand même un minimum de grammaire, oui. Donc moi, j'aurais une question, donc, c'est par rapport donc, aux relations que vous avez avec vos élèves. En fait, ce serait une question par rapport à... Donc, comme vous nous avez décrit vos relations avec vos élèves, enfin, plus ou moins, ce que vous avez fait avec vos élèves, ce serait pour savoir... si vous auriez une relation de confident, voire peut-être dans certains cas, de figure paternelle, voire maternelle. Je pense que j'ai une figure fraternelle, et dans le fraternel, il y a tout, il y a maternelle, il y a paternelle, bien sûr, puisque je leur apporte des biscuits, du café, une confidence. Mais prenons celui qu'on appelle le vieux, l'immortel. Jackie Imbert, il me dit toujours, quand je le vois, ce que Franz-Olivier Gisbert a écrit sur moi, c'est rien du tout. C'est moi qui avais raconté à Franz-Olivier Gisbert l'histoire de l'immortel. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle L'immortel. On a fait un film avec Jean Reno. Et le vieux, donc, Jackie Imbert, m'a dit, tu as raconté mon histoire, mais il a tout raté. Quand je serai mort, tu raconteras... Donc, on est dans une relation de confidence. Hein. Donc, une forme de fraternité. Parce que je ne les juge pas. Je ne juge pas leurs crimes. Je suis là pour apporter des mots. Jugés, ils le seront, puisqu'ils vont passer devant la justice, ou ils sont passés devant la justice. Moi, je ne suis ni juge, ni procureur. Je pense que ces hommes-là peuvent évoluer, progresser. Ils ont eu la malchance de naître au mauvais moment, dans un mauvais quartier, dans une... Voilà. Et l'enchaînement a fait qu'ils sont devenus... Mais personne ne naît monstrueux. On peut le devenir. On peut avoir des moments monstrueux. Mais personne ne naît monstrueux. Donc je crois qu'il faut donner la chance à chacun d'évoluer. Et je n'ai rien trouvé de mieux que le langage, les mots, pour évoluer. Il y a bien entendu la musique, la peinture, la création, toutes les formes de création qui nous amènent vers la liberté. Mais le langage, c'est peut-être ce qu'il y a de plus riche, parce que c'est le lien le plus immédiat, le langage. Donc j'ai cette relation fraternelle avec eux, peut-être un peu maman, un peu papa ou un peu fils. Je crois qu'il y a cette relation aussi parce que mon père, pendant la guerre, nettoyait les trains. Il est devenu ensuite peintre en bâtiment. Mais pendant la guerre, lorsque les Allemands ont occupé le sud de la France et Marseille, mon père nettoyait les wagons, employés. Et de temps en temps, il prenait quelques kilos de marchandises dans les trains qui partaient pour l'Allemagne. Ça partait pour les Allemands, nos ennemis. Et mon père prélevait quelques kilos de marchandises pour sa famille. Et un matin, il a été arrêté par 3 policiers français. Et dans les sacoches de son vélo, il n'avait qu'un vélo, il y avait 8 kilos de marchandises. On a pensé qu'il faisait du marché noir et ces flics français ont eu l'imbécilité de l'arrêter.
parce que c'était quand même des Français entre Français, pas les Allemands qui l'avaient arrêté, mon père. Et il a fait un an de prison dans la vieille prison Chave, où on était en train de construire les Baumettes. Donc la vieille prison à Marseille était la prison Chave, boulevard Chave. Et il est resté un an dans cette prison, il est sorti, moi je n'étais pas né bien sûr, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Il était maigre comme un clou, il avait de la gale sur les jambes, on ne mangeait pas dans les prisons pendant la guerre, on ne mangeait pas dehors, on mangeait encore moins dans les prisons. Il a failli crever dans cette prison. Tout ça pour 8 kilos de marchandises volées à des Allemands. Quand ma mère m'a raconté ça, je suis devenu révolté, furieux, j'avais 8 ans peut-être, révolté. Et pendant toutes ces années où je vais au Baumettes, quand je vois un homme qui a les tempes un peu grises, qui a 40 ans, quand j'étais petit, mon père, il avait 40, 45 ans, donc il avait les tempes grises. J'ai grandi avec un papa qui avait les cheveux un peu grisonnants. Et quand un détenu qui vient dans mon atelier a les tempes un peu grises, s'il me demande un petit service, il vous demande tous des petits services, hein. Est-ce que tu peux me poster cette lettre? Est-ce que tu peux passer voir ma femme? Est-ce que tu peux m'apporter ceci ou cela? Bon. Quand le mec, il a 40 ou 45 ans, l'âge que mon père avait à l'époque, je n'arrive pas à dire non. Parce que je me dis, ça pourrait être ton père et tu dirais non. Et donc, je rends des services qui sont interdits. C'est purement affectif. Dans cette relation dont tu parles, fraternelle, filiale et tout, bien sûr, on est des êtres humains. Je n'apporte pas, moi, uniquement un programme scolaire en prison. Je suis un homme qui veut voir des hommes et qui essaie justement de leur faire poser le calibre. Et pour poser ce calibre et prendre un stylo, il faut passer par l'humanité. Par l'humanité. Donc ces gens qui ont les tempes grises et qui me font penser à mon père, je crois que c'est ça l'humanité. Il faut savoir de temps en temps oublier la loi et parler avec son cœur. Moi, j'ai une question. Vous dites que parlez bien dans le micro. Vous dites que vous animez des ateliers d'écriture. Est-ce que vous leur emmenez des livres aussi pour qu'ils lisent dans leur cellule? Alors, il y a des livres en prison. Moi, j'amène des livres, bien sûr, mais il y a des bibliothèques maintenant. Quand j'ai commencé à la prison d'Avignon, je le disais tout à l'heure, dans cette cellule, qui était la cellule du bibliothécaire, il y avait 200 ou 300 bouquins. Ils étaient tous recouverts du même papier bleu administratif. Le bibliothécaire avait recopié sur le papier le titre et l'auteur. Hein. Maintenant, dans les prisons modernes, en tout cas, la prison de Luynes, la prison de Salon, la prison de Tarascon, qui sont le plan 13 000, les nouvelles places de prison, ont construit la prison avec une bibliothèque, avec des livres. Donc, les livres sont là. Moi, je travaille avec le bibliothécaire, donc je complète les listes de livres à commander. Alors, tous les livres que j'ai aimés, je les fais commander. Je vous ai parlé de Dostoïevski, de Céline, Marquez, Rimbaud, Giono, tous ces livres, Camus, y sont. Je complète les listes. Donc, il faut, bien sûr, il faut des bons livres. Pardon ? Jadis, il y avait des journaux interdits, des livres interdits, des pages de magazines qui étaient censurées. Maintenant, non. Maintenant, ils reçoivent des magazines, ils reçoivent des livres. À partir du moment où c'est de la littérature, moi, j'ai fait rentrer le marquis de Sade. Bon, il a fait 27 ans de prison, ses textes sont sulfureux, il y a des milliers de crimes, mais au Baumettes, vous trouvez les œuvres du marquis de Sade. Hein ? Parce que c'est de la littérature. Oui, moi je voulais vous demander, une fois qu'on a évacué le problème de la norme et que tout l'engage, sur quoi je suis parfaitement d'accord, est-ce que c'est pas plus facile finalement? Les vies sont tellement passionnantes, romanesques. J'écoutais l'histoire de Polo tout à l'heure, mais il y a de quoi faire très vite là, en deux temps, trois mouvements, une nouvelle passionnante. Alors, je l'ai faite. Est-ce que c'est pas plus facile finalement? Encore une fois qu'on a évacué et bien fait entrer dans la tête des élèves dans l'atelier que la question de la norme ou de l'académisme est superfétatoire et que ce qui compte, c'est de parler et de dire avec passion les choses, c'est peut-être plus facile finalement avec les histoires de vie et les biographies qu'il y a en prison.
Oui, il faut le minimum, bien sûr. Il faut que la langue soit parlée, quelle qu'elle soit. Il faut l'articulation, il faut un minimum de grammaire, bien sûr. Par exemple, moi, je ne les fais jamais écrire au passé simple, sauf je leur dis, écrivez au passé composé. C'est la langue que vous employez dehors. Voilà, hier, je suis allé à une conférence, je suis parti, j'ai bu un pot. C'est ça, le passé composé, c'est la langue orale. Et je leur dis, écrivez d'abord, ou au présent, ou au passé composé. Mais il faut un minimum. Je leur explique un peu ce qu'est le passé composé. Je leur explique quelques règles, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif, un adverbe, surtout pour leur dire, mettez-en le moins possible. Je leur cite l'exemple de Simenon. Simenon écrivait ses romans, et à la fin de ses romans, devant ses amis, il secouait ses manuscrits. C'est l'époque où on n'avait pas d'ordinateur, on avait des manuscrits. Il secouait les manuscrits. Et quand on lui dit « qu'est-ce que tu fais ?», je fais tomber les adverbes. Donc je lui dis « faites tomber les adverbes, ça alourdit, c'est de la graisse ». Donc un minimum d'adjectifs et d'adverbes, et puis de la vie. Donc il y a quelques règles à savoir pour que la littérature soit vivante, comme ça. Mais après, les mots savants, parfois universitaires, on n'en a pas besoin quand on écrit des romans. J'ai été invité il y a 4 ou 5 ans, ou 8 ans, je me souviens, à Grenoble. Un collège m'appelle et me dit « Est-ce que vous pourriez venir ? On étudie vos romans dans ce collège. » J'y vais. Et j'arrive dans un CDI, il y avait 4 ou 5 classes de collégiens, un amphi plein. Et les profs qui étaient là me disent, il y avait un micro, « Monsieur Frény, nous avons étudié tous vos incipits. Comment trouvez-vous vos incipits ?» J'avais jamais entendu ce mot. Alors, je me suis retourné vers les élèves, j'ai dit, vous avez étudié mes incipits. Alors, j'ai dit, quel est votre préféré? Je me suis dit, je vais poser une question comme ça pour savoir ce que c'est, quoi. Tous, monsieur, tous. Et ça, donc, ça ne me mettait pas sur la voie. Donc, j'étais vraiment emmerdé parce que tu viens là, tu fais je ne sais pas combien de kilomètres, et puis tu ne sais pas ce que c'est, alors que tous les élèves savent ce que c'est qu'un incipit. Je n'avais jamais entendu ce mot. Et ben, j'ai été honnête. J'ai dit, excusez-moi, j'ai écrit 10 romans, je suis publié par Gallimard, je ne sais pas ce que c'est qu'un incipit. Les profs ont rigolé, pensant que c'était... Et les profs m'ont expliqué. C'est comment vous attaquez le livre, les premiers mots, la première phrase, l'incipit, ou l'incipit, je ne sais même pas... Bon, on s'en fout. Je ne savais pas. Et pourtant, j'ai commencé des... J'en ai publié 20 maintenant, mais j'en ai commencé 40. Donc je sais ce que c'est qu'un incipit dans la pratique. Mais voilà, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est que le mot incipit pour commencer un roman. Hein. On a besoin de savoir comment aborder une femme pour commencer une histoire d'amour. Mais ça, on trouve le mot juste. Le mot juste. Voilà, moi j'aime les choses simples. Quand justement, je raconte parfois des blagues. Mais je vais vous en raconter une, puisque... Le mot incipit, le mot juste. C'est un type qui a 40 ans, il voit ses copains avec des femmes splendides, et lui, il est toujours seul, il n'ose pas les aborder. Il les trouve trop belles, trop intimidantes. Donc il dit à ses copains, donnez-moi une phrase, comment vous les abordez? Et ses copains lui disent, écoute, tu vas chez ton libraire, tu achètes un arlequin, dans arlequin, il y a tout. Donc il va chez son libraire, il repart avec un cajot plein d'arlequins, et il se met à compulser, apprendre. Et 2 mois après, il est prêt. Il est prêt. Donc, il met sa veste en tweed, son petit polo Lacoste, et il y a un piano-bar à côté, il rentre, et il la voit. Elle est là, sur un tabouret, elle est magnifique. Il se dit, c'est elle. Et un slow commence. Il lui fait un petit signe. Elle descend de son tabouret. Elle accepte de danser. Ils vont sur la piste, il la prend dans ses bras. Il commence à danser le slow. Et au bout d'un moment, il se penche vers son oreille et il lui dit « Je vous aime », murmura-t-il. Et bien entendu, il lui parle au passé simple « Je vous aime », murmura-t-il, il faut tout dire, sauf ça. Ah, et c'est pour vous dire, l'incipit, la première phrase est très importante, il faut qu'elle soit simple et vraie. Voilà. C'est surtout la force de la première phrase. Peu importe qu'on connaisse le mot, il faut que l'engagement soit fort. Vous disiez tout à l'heure donc, que vous apportiez quelque part vous leur apportiez la vie donc, à travers les mots. Est-ce que... C'est là. Et donc, à travers les mots. Et donc, est-ce qu'à travers ces mêmes mots, vous leur apportez un imaginaire? Et est-ce qu'eux, ils sont demandeurs de cet imaginaire, de cette vie imaginaire? Oui,
ils n'écrivent pas sur la prison. Ils n'écrivent pas, ils y vivent. Ils veulent la fuir. Et je leur dis, la littérature, la poésie, le voyage, la phrase de Rimbaud, je vais m'acheter un cheval et partir trafiquer dans l'inconnu. Magnifique cette phrase. Je vais m'acheter un cheval et partir trafiquer dans l'inconnu. Ils veulent trafiquer dans l'inconnu, partir dans les nuages, traverser le monde, sortir de cette cellule qui les écrase. Ils ne vont pas en plus écrire sur la prison. Donc, ils veulent écrire sur le monde entier. Et sur l'érotisme aussi. Les premières années, j'étais un peu intimidé. Je ne voulais pas leur proposer. Je me suis dit, quel supplice. Ils sont là, sans femme. Ou alors, ils font mal l'amour au parloir, de moins en moins. Les femmes, elles ont honte de faire l'amour. Donc, il n'y a plus d'érotisme. On ne peut même pas appeler ça de l'érotisme. C'est une mauvaise sexualité. Et ils me disent, les premiers temps, on se masturbe beaucoup, ne serait-ce que pour s'endormir. C'est une fatigue. Voilà. Ils se masturbent quand tu rentres en prison, j'imagine, tu te masturbes tous les soirs et tu t'endors. Et ils me disent au bout de 3-4 ans, on n'a plus de fantasmes. On a tellement tiré sur 2-3 fantasmes. On n'a plus de... Voilà. On n'a même plus d'érection. On n'a plus de sexualité. Ça, la prison a même tué ça. Et alors, je leur ai donné des mots. À 5 heures, quand le gardien nous ouvre, je leur dis talon aiguille, je leur dis n'importe quoi. Et ils écrivent à partir d'un mot dans leur cellule. Et combien m'ont dit, j'ai écrit, comme tu disais, ils n'ont pas d'ordinateur, ils écrivent avec leurs mains, comme moi, sur des cahiers. Et l'écriture est profondément érotique, l'acte d'écrire déjà, de dessiner. Ils écrivent le mot talon aiguille. Et puis ils me disent, j'ai vu un mollet de femme, une cuisse, et puis j'ai senti la peau d'une femme, la fesse, à partir de... Et il me dit, à un certain moment, en écrivant du bras droit, j'ai eu une érection que je n'avais pas depuis des mois. Et je me suis masturbé de la main gauche. Mais ça paraît incroyable, mais en écrivant, parce que l'écriture est érotique, ils ont retrouvé une érection, une sexualité. C'est ça, restaurer des hommes aussi. Parce que comment dire la prison va nous ramener des hommes? Ils ont été violents, ils ont été monstrueux. On les met dans ce dépotoir qu'on appelle la prison, dans une poubelle. C'est la poubelle de la ville, la prison. Et puis 5 ans, 10 ans après, comme par miracle, on va ressortir des hommes qui vont respecter la loi, qui vont être respectueux. Mais c'est complètement dément. On les abîme encore plus. Alors que là... Parce qu'ils pensent, parce qu'ils imaginent, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils se masturbent encore en voyant de vraies femmes dans leur tête, ils vont sortir beaucoup plus normaux, beaucoup moins détruits. La prison ne détruit pas le crime, elle détruit toute trace d'humanité. Mais elle renforce le crime. La prison est l'université du crime. Donc, leur amener des mots pour qu'ils restent vivants, pour qu'ils progressent justement dans cette humanité. Mais si tu enlèves à un homme la seule chose, peut-être un peu fondamentale, l'amour, le sexe et tout, qu'est-ce qui lui reste? C'est un barbare en sortant. Interdire à des mecs de faire l'amour au parloir, c'est interdit, c'est la loi. Alors les gros voyous font l'amour parce que les gardiens en ont peur. Donc on laisse les gros voyous faire l'amour, mais si tu te fais choper, tu vas au mitard. Mais on leur donne des préservatifs. On leur interdit de faire l'amour au parloir, mais on leur distribue des préservatifs. Ça veut dire, si vous enfilez en cellule les uns les autres, au moins vous n'attraperez pas le sida. L'hypocrisie énorme de la prison. Mais sur les textes, il est interdit de faire l'amour au parloir. Donc, c'est un système... Il faut changer complètement, construire les prisons, certes. Quelqu'un qui a assassiné, quelqu'un qui a attaqué un fourgon, tu es obligé de le mettre en prison. Mais dans d'autres prisons, pas celle-ci, pas les Baumettes, des petites structures avec des professeurs, des instituteurs, de la gymnastique, des ateliers où on apprend un métier, d'autres prisons, des petites prisons. Pas ces mastodontes, ces usines à fabriquer des criminels. Le petit voleur qui rentre en prison, il sortira criminel, puisqu'il va rester avec un grand criminel en cellule qui va lui apprendre. Qu'est-ce qu'on apprend en prison? À part avec les professeurs, qu'est-ce qu'on apprend? À devenir un excellent voyou. Et en sortant, à part des types comme moi qui peuvent te faire travailler dans une librairie, en sortant, il n'y a que les voyous qui t'embauchent. Bah tiens, en sortant, tu vas voir Joe, il a telle boîte de nuit, il a tel sonnement, il fait les stupes, il fait... Voilà, qui te donne du boulot? Les voyous. Donc il faut changer complètement le système carcéral, des prisons plus petites et des prisons plus humaines, où on est droit à une douche tous les jours.
où on ait droit à une cellule avec un lit et non pas un matelas supplémentaire par terre, avec des cancres là. Vous vous rendez compte qu'au Beaumet, il y a encore les chiottes dans le coin, ils sont trois en cellule au bâtiment 1. Il y a le chiotte sans cloison, la cloison elle est haute comme ça. Le matin, tu fais tes besoins devant deux autres détenus. Tu n'as même pas une porte pour t'isoler. Comment tu veux leur demander d'être humain après ça? Moi, j'ai connu des hommes qui rentraient, qui n'étaient pas des voyous, pas habitués à la prison. Ils faisaient des occlusions, ils se retenaient. Ils ne pouvaient pas aller au cabinet devant les autres. Ils se retenaient, ils faisaient des occlusions intestinales. C'est comment une prison comme ça peut faire évoluer des gens? C'est des bestiaux qu'on met dans ces conditions. Je me suis souvent chopé dans des. J'ai été invité souvent dans des émissions de télé à Paris. Malheureusement, il faut toujours aller à Paris pour être un peu entendu. Je comprends que les Corses se révoltent contre cet esprit jacobin, cette seule capitale qui dévore tout. Parce que moi-même, Marseillais, même un peu Corse d'origine, je trouve que ce parisianisme. Alors, quand je suis rarement invité, je le dis ça. Je l'ai dit sur des antennes, à France Inter, à France Culture, quelquefois dans des émissions de télé, avec, j'ai fait une émission là-dessus, il y avait Juppé, justement, j'ai fait une fois une émission avec Hollande, j'ai fait une émission avec Darcos, avec, je dis, moi j'ai qu'un langage, ce que je vous dis, je le dis partout, bien sûr. Je ne vais pas tenir un langage. Moi, je n'ai pas de. Il y a belle lurette que je n'ai pas de conviction. J'ai une conviction humaine, mais je ne suis pas dans un parti. Je n'ai pas d'idéologie. Je dis ce que je ressens. Et quand je suis sur un plateau, je le dis aussi. Ouais, mais c'est-à-dire que le discours, c'est pas uniquement les politiques. C'est que l'esprit général. En France, par exemple, aujourd'hui, si on faisait un vote, un référendum, sur ce que j'ai dit moi ou ce qu'est la prison, mais une grande majorité serait contre moi, parce que personne ne veut mettre de l'argent dans les prisons aujourd'hui. Hein. C'est vrai que c'est dur. La France, beaucoup de chômeurs, beaucoup de difficultés, une dette qui accroît. Donc, qui serait d'accord avec ce que je dis 20%? Même si les gens pensent que j'ai raison, personne ne veut mettre de l'argent dans les prisons. Et il y a une philosophie qui perdure. Un ministre de la Justice a dit, il y a 40 ans, il faut que le détenu vive un peu plus mal que celui qui vit mal dehors, sinon tout le monde ira en prison. Hein, quand on a dit, c'est des prisons 3 étoiles, ils sont à la télévision, hein, mais enfin, ils sont enfermés pendant des années. Hein, il faut que celui qui soit en prison vive plus mal que celui qui vit mal que le chômeur qui est dehors. Ou que, voilà. Sinon, tout le monde va attaquer une banque. Si on se dit, j'attaque une banque, je risque de prendre le pognon, et si j'échoue, je vais aller dans un club 3 étoiles. Donc, il y a cette philosophie quand même de la punition. Il faut quand même une notion de souffrance. Cette notion très chrétienne de souffrance. Ce qui me donne envie de continuer dans les prisons. Je l'ai dit tout à l'heure, je me nourris, ça m'a rendu tolérant. J'ai été pendant 10 ans infirmier en psychiatrie, et c'est là que j'ai découvert vraiment le... En psychiatrie, je regardais les malades mentaux, je les écoutais, j'ai créé comme une troupe de théâtre avec des psychotiques, des schizophrènes, j'ai créé une troupe de théâtre. Et j'ai observé la psychose, la maladie mentale dans un gros hôpital psychiatrique de Marseille. Et d'avoir travaillé 10 ans avec les malades mentaux, ça m'a rendu tolérant. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui me séparait d'eux, que j'avais moi-même pas mal de folie en moi. Et là, d'avoir travaillé 20 ans et plus avec des détenus, ça m'a permis de voir qu'en moi-même, il y avait pas mal de pulsions, de transgressions, de choses que, à force de les écouter, de les regarder, je me rends compte qu'ils sont aussi humains que moi, parfois, et que parfois, je suis aussi monstrueux qu'eux. Il n'y a pas entre le bien et le mal, mais c'est toute l'histoire de la littérature. L'histoire de la littérature, c'est le combat entre le bien et le mal. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas les gens honnêtes, absolument honnêtes dehors, tous honnêtes, et les monstres dedans. Ça bouge tellement. C'est un peu comme en politique. Hein. L'Occident, l'Orient, nous serions, nous, l'Occident, les gens bien, les autres seraient Satan. Non, c'est beaucoup plus complexe. En chacun de nous, le mal se bat contre le bien et vice-versa.
Donc ça m'a appris à être tolérant, tolérant. Les écouter, les regarder, les recevoir quand ils sortent de prison. Ça m'a appris à connaître mieux l'humanité, ce que nous sommes, ce que je suis, ce qu'est l'homme. Pourquoi certains vont basculer et d'autres pas. Je le répète, ce n'est pas parce qu'on est né monstrueux. C'est parce qu'on a eu une série de rencontres, d'échecs, de... Voilà. Quelqu'un qui rencontre un jour un prof, un écrivain ou une femme, il se rend compte que tous ces échecs, il va les transformer en force. Un peu comme la phrase de Mandela qui est très belle. « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. » Voilà. Eh bien, ça m'a permis d'apprendre beaucoup avec ces gens qui ont tous échoué, en tout cas, tant qu'ils sont en prison, c'est qu'ils ont tout échoué. Leur histoire familiale, avec la langue, ils ont tout échoué, ils sont là. Eh bien, leur donner une chance, moi, ça me rend tolérant parce qu'on a tous besoin de faire quelque chose dans la vie, de faire quelque chose, de pouvoir s'endormir le soir et trouver le sommeil tout de suite, se dire « au moins, je... » Le colibri, vous connaissez l'histoire du colibri? Vous connaissez le colibri? Non? Un jour, ben c'est ce que je fais, je suis un colibri. Un jour, la terre brûle, tout brûle, tout brûle. Les forêts, les villes, tout brûle. Et les animaux se regroupent sur un immense rocher et ils regardent la terre brûler, tout brûle. Et le petit colibri, qui est l'un des plus petits oiseaux, va à l'océan, prend une goutte d'eau dans son bec, va la jeter sur l'incendie, et durant toute la journée, de l'océan à l'incendie, goutte après goutte, et les animaux ricanent et lui disent « Mais enfin, colibri, qu'est-ce que tu fais ?» Et il leur répond « Je fais ma part. Je fais ma part. » Voilà, que chacun jette sa goutte d'eau sur l'incendie. Aujourd'hui, le monde est en train de s'embraser au Moyen-Orient et ailleurs. Notre rôle, c'est de jeter nos gouttes d'eau, chacun, doit faire ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire. Moi, je ne crois plus aux idéologies. Elles ont échoué. Mao a échoué, Staline a échoué, même le Che a échoué, pourtant Dieu sait que... Bon, bref, beaucoup de gens ont échoué. Mais si chacun fait ce qu'a fait le colibri, jette une goutte d'eau, petite goutte de culture, d'amitié, donner un peu de sens social, un lien, voilà. Si chacun fait ça, c'est comme ça que les choses peuvent un peu changer et qu'on fera reculer la barbarie, la bêtise, l'égoïsme. Tout augmente aujourd'hui, cette bêtise, cet égoïsme. C'est effroyable. Moi, le matin, je mets France Inter, qui est une radio qui était plutôt intelligente, et j'entends dès le réveil, à 7 heures du matin, un immeuble a brûlé, un criminel a égorgé, Daesh a fait ceci, les terroristes ont... Et puis je me retourne vers ma fenêtre, je vois le paysage, j'habite dans des collines à Manosque, et j'éteins la radio, c'est tellement beau dehors, je me dis, mais il y a deux mondes, il y a celui qu'on me sert sur toutes les radios, sur toutes les télés, qui est un monde obscur, noir, plein de sang, et puis quand je regarde les collines, ce matin je suis monté en haut de Corté, j'ai regardé ces montagnes éblouissantes, ce ciel et tout, mais je me suis dit, mais jamais plus j'allume la télé, il y a deux mondes, il y a celui qu'on entend, celui qu'on nous sert, et mais qui est une partie de nous-mêmes, sinon on nous servirait autre chose, on nous servirait un monde bleu. On nous sert un monde noir, c'est que nous avons aussi en nous ce monde noir. Hein, ben, en nous, il y a le monde bleu, le monde noir qui se bat tous les jours. Ben, il faut développer le monde bleu. C'est un vieux chef, il y a un vieux chef indien qui dit ça, un vieil indien qui raconte à son petit-fils, le petit indien, tu sais, il y a deux loups. Il y a un loup généreux, un loup gentil, un loup très doux. Et en face, il y a un loup égoïste, un loup haineux, et ils vont se battre. Et papy, lequel des deux va gagner? Celui que tu nourris. Celui que tu nourris. Voilà, c'est à nous à nourrir le loup généreux et pas le loup haineux. Voilà, s'il y a d'autres questions, sinon... Non? Bon, merci d'être venu. Nombreux, c'était mal parti. On était 4 ou 5. Merci. Merci beaucoup.